Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Congo Live Télévision. Merci de votre fidélité. Comme vous pouvez le constater, en tout cas, on s'est déplacé pour aller faire une visite au bureau de la division provinciale de la jeunesse où nous recevons le chef de division, M. Guy Kibira, qui est avec nous. M. Guy, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Justin Kabumba, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Et merci surtout pour l'attention que Congo Live Télévision ne cesse de nous accorder. Merci de nous recevoir encore chez vous. En tout cas, félicitations d'abord. C'est les nouvelles installations de la division provinciale de la jeunesse après plusieurs années, mais c'est guéri. Relate-nous, c'est par quelle magie vous aviez arrivé à faire tout ça? Ah oui. Bon, il n'y a pas de magie, hein. Il n'y a pas de magie à faire. C'est-à-dire que vous m'avez connu comme président de la jeunesse, à travers le conseil provincial de la jeunesse, depuis pratiquement 2011. Et c'est seulement vers les années 2017 que j'ai été engagé. J'ai été admis sous statut de fonctionnaire de l'État, 2018. Et à partir de ce moment, tout en étant président de la jeunesse, j'ai évolué comme tout autre agent de l'État jusqu'à devenir chef de bureau. Et voilà, donc étant donné que le travail du conseil de la jeunesse est en lien avec le ministère de la jeunesse, puisque c'est ça notre ministère de tutelle, j'ai été donc admis de poursuivre le travail d'encadrement de la jeunesse tout en ayant ce statut de chef de bureau. Je sais que c'est ce qui étonnait certains, qui ne comprenaient pas comment est-ce que je suis devenu chef de division. Eh bien, c'est cette partie de l'histoire qu'ils ne savaient pas. Et que donc, après un moment, il a plu aux autorités du pays, notamment à l'époque que Mme Thérèse Mbojiboum, qui était secrétaire générale au ministère de la Jeunesse, que ce soit la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale, de proposer au ministre, d'ailleurs à l'époque c'était le ministre Billy Kambalé, et par la suite Billy Kambalé est parti, remplacé par son excellence Dr Yves Bunkuluzola, qui a pris finalement les actes et m'a proposé la fonction publique pour devoir assumer les responsabilités que j'assume aujourd'hui comme chef de division. Donc j'ai remplacé mon prédécesseur que je salue en passant, Papa Dunia Bakulu Msemakweli, qui a fait ce qu'il pouvait faire à son niveau. Mais écoutez, quand moi j'arrive, tout jeune que je suis, je ne devais que apporter un souffle nouveau, et c'est ce qui justifie les choses que tu viens d'observer, de constater. Je viens avec un souffle nouveau, je viens avec aussi des relations que j'essaie de capitaliser pour que ça puisse aider à faire évoluer les choses. Et donc, pour moi, dès que j'ai été désigné, nommé chef de division, je me suis fixé certains objectifs, entre autres, doter la division de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté, d'une adresse. Une adresse physique. C'est ce, qui n'était pas avant, puisqu'on était sous-logé par la division des sports au niveau du stade de Volca de Biréré. Et dans quelles conditions aussi, c'est un local où vous vous retrouvez tous sans outils de travail, et sans électricité, et à la merci des Chegué qui font de ces stades, qui faisaient de ces stades de leur foyer de concentration, leur logis. Et, bon, tout acte de déviation se posait là-bas. Lorsqu'il y a des matchs de foot, c'est difficile même de travailler. Lorsqu'il y a atterrissage comme décollage des avions, impossible de travailler. Il n'y avait pas de conditions de concentration. Alors qu'ici, à la division de la jeunesse, c'est ici où on doit planifier
les activités d'encadrement de la jeunesse, l'orientation de la jeunesse, les coachings, les mentorats, beaucoup de choses en faveur des jeunes, mais dans les conditions qui n'étaient pas vraiment appropriées. Voilà ce que j'avais comme un premier challenge, et le deuxième, c'est justement celui de faire le renforcement des capacités des agents et fonctionnaires de la division en tant que mentor. Et en tant que mentor, ils doivent être plus outillés que les jeunes qu'ils doivent encadrer. Sinon, ça servirait à quoi? D'encadrer des jeunes qui sont plus avertis, plus informés que vous-même, plus alignés ou actifs à la NTIC que vous-même encadreur. Du coup, vous venez avec des informations qui sont dépassées, parce que pendant que vous parlez à un jeune, lui, il est en train de chatter, il a une information plus actualisée que ce que vous êtes en train de lui dire. Et voilà pourquoi l'étape à suivre après avoir doté la division de cette adresse, ça sera le renforcement des capacités, une sorte de mise à niveau des agents et cadres, pour qu'ils puissent bien assurer leur travail d'encadreur. Mais je dois à ce stade dire merci. Merci du fond de mon cœur. D'abord au ministre Dr Yves Bonkolou, qui a fait confiance à moi, qui m'a élevé et chef de division aujourd'hui. Je pense qu'il ne s'est pas trompé. Il doit être fier de ce qu'il a posé comme acte avec ce que nous sommes en train de faire. Puisque ça va servir d'exemple, ça va servir de leçon pour d'autres divisions, pour d'autres provinces et pour d'autres jeunes. Parce que moi, je trouve la responsabilité grande dans la mesure où, si je fais bien mon travail, eh bien, j'aurais ouvert la voie à d'autres jeunes qu'ils se fassent nommer et aussi dans leurs provinces respectives ou peut-être dans cette même province à d'autres responsabilités élevées. Mais si j'ai fait mal le travail, c'est que j'aurais barré la route à tout le monde. C'est pourquoi ma responsabilité est double. Et après, je dois remercier notre secrétaire général actuel, M. Chrysostome, Jean Chrysostome, pour l'appui, l'accompagnement, l'encadrement, les suivis qui ne cessent de m'accorder. Et malgré la distance, à tout moment, je suis en contact avec lui, il m'oriente dans ce que je fais. Je dois remercier également les gouverneurs de province. Savez-vous qu'il y a quelques jours, on a démoli le stade de Biréré? C'est alors que j'ai approché le gouverneur pour lui dire que nous n'avons pas d'adresse. Désormais, nous sommes d'accord avec les projets de construction et de modernisation du stade de Biréré, mais pendant ce temps, nous sommes dans la rue. Alors que c'est un projet d'une très grande utilité, puisque, écoutez, les activités socio-sportives et culturelles, ce sont celles-là qui nous aident à renforcer les liens entre nous, entre les jeunes. Et que donc, ça nous aide à faire l'épanouissement physique, psychologique, morale des jeunes, et c'est ça la cohésion nationale que nous recherchons. Mais également, ça nous donne de nouvelles relations. La modernisation de ces stades a aussi d'autres intérêts, tels que donner l'opportunité à, par exemple, à ce que des grandes équipes et des grands joueurs du monde viennent jouer ici, et qu'à l'occasion, ils vont inspirer les jeunes localement ici. Voilà autant d'avantages, et heureusement le gouverneur a agi en parent. Je peux vous dire ici que le gouverneur de province, le gouverneur militaire a vraiment fait le nécessaire pour que nous puissions nous retrouver dans ces conditions. D'accord. Mais Sidi, en tout cas, félicitations, d'abord il faut dire ça. Mais en voyant ton implication, tout ce que vous faites, là, ça montre également que la vision du chef de l'État est tellement respectée et suivie au niveau des Goma à travers la division provinciale de la jeunesse. Oui, mais écoutez, vous savez que la première institution de ce pays, ça s'appelle le président de la République. Et qu'à ce niveau, il est important de savoir que tout ce qui est fait ici doit être inscrit dans la vision et la politique du président de la République, chef de l'État, pour ne pas le citer, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je salue. Savez-vous que déjà, c'est à son avènement que nous avons vu le nombre de jeunes croître dans les gouvernements du pays,
À l'époque, c'était à tous les niveaux même. À l'époque, c'était le gouvernement Ilunga Ilunkamba, où on a enregistré un nombre quand même élevé de jeunes gens qui sont entrés comme ministres ou vice-ministres. Et par la suite, le gouvernement qui a suivi avec Jean-Michel Samalou Kondé, nous avons encore vu d'autres jeunes récupérés comme ministres. Et aujourd'hui, on est fiers de voir certains jeunes faire leur entrée dans l'institution gouvernement. Donc aujourd'hui, je voudrais rendre un vibrant hommage au président de la République d'avoir impulsé. Il l'a fait avec les femmes en exigeant qu'on atteigne un certain nombre de sièges pour les femmes. On voit que ça avance. Il faille que cette orientation soit encore donnée pour que les jeunes se retrouvent au même titre pris en compte dans les instances décisionnelles. Je pense qu'il n'a rien à perdre. Il est le mieux à avoir compris bien avant tout le monde qu'il faut donner les opportunités aux jeunes pour qu'ils puissent apporter leur savoir, leurs compétences, leurs potentialités, leurs atouts et leur temps devant eux pour changer les choses. Voilà, c'est vraiment un vibrant hommage au président de la République qui a donné l'orientation au premier ministre, au ministre sectoriel, et aujourd'hui, le gouverneur de la province a fait respecter cette politique. Et je suis aujourd'hui chef de division, au même titre que d'autres chefs de division. Rien n'est dit que je mourrai chef de division de la jeunesse. Peut-être après, je peux être chef de division des finances, du plan, budget, je ne sais moi, mine et autres. Ça dépend. Nous sommes déjà dans la fonction publique, tout est possible. Et pourquoi pas peut-être ministre et après. J'estime que... il y a de quoi saluer ces gestes puisque ça nous prépare également à assumer d'autres responsabilités plus tard. En voyant l'implication du président Tshisekedi, son appui, tout ce qu'il essaie un peu de faire, au-delà des différentes personnes, on voit cette couche-là aussi des jeunes. Est-ce qu'on peut dire que ces jeunes peuvent compter aussi sur un tel président qui s'appelle Félix Tshisekedi? Non, je vais vous dire une chose. Je viens de faire longtemps dans la dynamique des jeunes. J'ai commencé trop petit, louveton, dans le mouvement scout. Et tel que j'ai évolué, j'ai connu plusieurs personnalités, plusieurs autorités. Si je vous compte les ministres de la jeunesse, j'ai commencé par Patrick Solobika. Et puis Jean-Claude Nyamugabo. Maître Claude Nyamugabo, et puis par la suite c'était le ministre, je crois, Kambayi, Denis Kambayi, et après Denis Kambayi c'était le ministre à l'époque Magui Kiala, et après Magui Kiala, non d'ailleurs avant Magui Kiala c'était le ministre, l'actuel premier ministre, et qui était notre ministre de la jeunesse, Samalou Kondé, qui était notre ministre avant Magui Kiala. Et par la suite, Magui Kiala, et de Magui Kiala, nous avons connu Billy Kambale. De Billy Kambale, nous sommes passés à Yves Bunkulu Zola, l'actuel ministre. Je peux vous dire, sans peur d'être contredit, que c'est vrai, le prédécesseur de Félix... Et tu sais qu'il dit, pour ne pas le citer, Joseph Kabila Kabange a également accordé une certaine attention aux jeunes, mais je peux vous dire que de manière comparée, Félix Tshisekedi a est allé un peu au-delà, parce que déjà à son avènement, il y a l'avènement des jeunes dans le gouvernement Ilunga Ilunkamba, puisque c'était son exigence et son orientation. Et par la suite, vous avez vu que c'était dupliqué avec le premier ministre Samalou Kondé, qui lui-même est jeune et a la confiance du chef de l'État, à 40, je crois, 44 ans, si pas 43 ans. Et aujourd'hui, vous avez des entreprises publiques qui sont dirigées par des jeunes que le chef de l'État a promis. Il y a de quoi dire haut et fort qu'on peut espérer avec le président. On a quand même des fonds qui ont été débloqués, je crois que c'est vrai, soutenus par la Banque mondiale, mais beaucoup plus destinés aux jeunes entrepreneurs. C'est quelque chose à savoir. Ah oui, il faut dire que déjà avec Padel
Mais c'est aussi sous son solide et que nous avons bénéficié de cet appui avec la sélection de plus ou moins 750 entreprises de jeunes, sans compter les entreprises des femmes de l'autre côté, et qui ont bénéficié des fonds, des subventions non remboursables. Et aujourd'hui, beaucoup ont déjà ces fonds et commencent à se débrouiller. Et ça, c'est très important puisque le secteur privé reste l'alternative pour donner de l'emploi, étant donné que la partie de l'administration publique et des organes, les fonctions politiques sont organiques et que donc ne peut pas donner de l'emploi à plus de 25%. Et les 75%, c'est un gap énorme qui doit être couvert que par les secteurs privés. D'où la pertinence de soutenir l'entrepreneuriat des jeunes, et il faut donner beaucoup de fonds pour cela. Déjà au niveau national et après les fonds des partenaires. Mais je voudrais souligner que au-delà de cette attention au niveau de l'exigence à ce que les jeunes entrent dans le gouvernement, vous avez vu le président de la République organiser des dialogues intergénérationnels, lui-même en face des jeunes. Moi, personnellement, je me rappelle qu'en 2021, j'ai été élu porte-parole des 26 conseils provinciaux des jeunes à Kisantu. Aussitôt terminé l'Assemblée générale, j'ai conduit les délégués des provinces, avec bien sûr à la tête le président du Conseil national de la jeunesse, à la cité de l'Union africaine à Kinshasa, où le chef de l'État a ouvert ses bureaux uniquement pour nous après l'avènement de COVID-19. Nous sommes le premier groupe à ouvrir ses offices, ses bureaux, et être reçu par le chef de l'État après les mesures de COVID-19. Et c'était un dialogue franc, ouvert et direct. Et le chef de l'État a répondu à certaines préoccupations des jeunes. Il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là parce qu'il y a peu, il a reçu les jeunes, je crois, vous le savez, le 30 novembre 2020, passé ici, et par la suite, il a organisé un banquet avec ces jeunes. C'est autant d'opportunités qu'il a donné aux jeunes. Merci. Il y a de quoi espérer. D'accord. Merci beaucoup, Guy. On va finir avec les peu de minutes qui nous restent. On va finir avec une visite guidée. Vous allez essayer un peu de nous expliquer pour que les gens, quand même, voient, pas seulement écouter ce que vous dites, qu'ils voient aussi ce qui a été fait ici, en tout cas. Vous allez nous expliquer, peut-être qu'on va passer par différents locaux. Question pour nous aussi de prendre les images et balancer ça pour que les gens comprennent finalement, en tout cas, tout ce que vous aviez fait ici. Alors ici déjà, on est dans votre bureau, c'est ça? Oui. Justement, comme vous le remarquez, nous sommes à mon bureau. On essaie de s'organiser. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Et nous essayons de faire avec les moyens de bord. Le minimum dans un bureau, c'est d'avoir un ordinateur, avoir la possibilité d'imprimer. Puisque vous savez, avec le temps, par le passé, je peux vous dire que j'étais mal à l'aise toutes les fois qu'on devait imprimer un document. Même si vous l'avez saisi, il faut chercher un flash pour aller imprimer dans un secrétariat public. Et du coup, il n'y avait plus question de secret professionnel à la division. Et tout ça, c'était sous les régimes passés. Et ça, c'était avec mes prédécesseurs. Ouais. Mais aujourd'hui, on peut saisir et imprimer directement, et d'ailleurs en couleur. On peut imprimer sur place. Ouais. Alors, comme vous aurez remarqué, nous sommes en train vraiment de nous organiser. Ce n'est qu'un début. Ça, c'est notre petit cabinet, c'est notre bureau. C'est les photos. Ça, c'est les guides. Ouais. Les guides, puisque... Enfin, quand vous dites guide, moi, j'ai envie de dire le moins, ça. Bon, je pèse mes mots, c'est les guides, puisque c'est lui qui impulse, c'est celui qui donne les orientations, et nous ne faisons que suivre. Et c'est comme ça, les gens doivent savoir que le changement ne viendra pas que d'en haut. Les hauts donnent les orientations, et c'est ce que le chef de l'État a fait. Quant à nous, chacun en ce qui le concerne et à son niveau, de manière sectorielle, qu'on puisse apporter les changements. Mais les questions des jeunes sont transversales. C'est transversal. C'est un peu exceptionnel. Vous savez que moi, je suis panafricaniste. Et en tant que panafricaniste, je ne peux que promouvoir les valeurs africaines. Et cela passe par les produits africains
C'est-à-dire que je suis partisan de produire ce que je consomme et consommer ce que je produis. Je pouvais bien me doter d'un salon moderne, mais je me suis dit pourquoi ne pas soutenir et encourager l'entrepreneuriat et la production locale. Ici, c'est un salon à l'africain et c'est inspirateur. Vous avez le continent africain, vous avez au-delà de ça des œuvres d'art produites en Afrique, dans des pays africains. Vous avez des guéridons à l'africain. Et donc, c'est vraiment inspirateur quand on est dans ces salons. On ne peut que valoir les valeurs africaines et le panafricanisme. C'est au fait ça l'essence de ces petits salons. Alors, ça, ce sont nos installations. Nos installations, voilà. Ici, c'est notre vitrine pour garder des documents. Et voilà, je vais peut-être aller vous montrer d'autres locaux. Un peu les vagues. Bon, voilà. Donc ici, tout ça c'est les bureaux. Nous pouvons recevoir des gens ici comme nous pouvons les recevoir de l'autre côté. Nous avons, ça c'est la vue de derrière et vous aurez la vue de devant bientôt là-bas. Ça c'est un local qui sert de bureau. Ça permet d'avoir déjà deux bureaux ici comme vous pouvez les remarquer et faire fonctionner la division. Lui, c'est notre collègue qui était chef de service de la jeunesse en territoire de Massissi, mais qui a été muté et nous les recevons déjà. Il est opérationnel à la division ici en province. Ça sont des locaux qui vont servir de beaucoup de choses pour le bureau. Et ça, c'est le local qui va nous servir de salle de réunion. Une salle de réunion, et vous voyez quand même qui répond aux normes. C'est spacieux, non seulement c'est spacieux, mais c'est électrifié. Nous pouvons faire des projections ici, nous pouvons tenir nos réunions ici, nous pouvons faire des séances de renforcement des capacités ici même, sans débourser de l'argent dans des hôtels pour location des salles et consorts. Alors là, vous avez des manuels très importants. Oui, vous avez, par exemple, ça, c'est la politique nationale de la jeunesse. Oui. Ce sont là les outils qui nous aident à encadrer la jeunesse. On ne travaille pas, on ne navigue pas à vide. Non. Alors, nous sommes appelés également à faire la réinsertion socio-professionnelle. Oui. C'est dans ce cadre que nous avons des manuels, des outils. Ça, ce sont des cours, ok ? Différents cours, ça c'est l'électricité. Hein? Alors, ce sont des métiers techniques que nous apprenons. Il y a plusieurs modules de formation pour l'encadrement de la jeunesse, oui. Aussi bien en ville de Goma, chef-lieu de la province, que dans d'autres villes. Nous faisons également, nous sommes intéressés par l'analphabétisme, et donc Kusomana Kuandika, c'est-à-dire que nous sommes aussi impliqués dans la lutte contre l'analphabétisme. Ainsi, nous apprenons aux jeunes et aux personnes en situation particulière et enfouies par exemple les guerres, les déplacés des guerres et qui ont perdu leur cursus normal de formation. Nous pouvons les apprendre, nous les apprenons déjà à lire, à écrire et à calculer puisque c'est un droit fondamental qui est garanti par la Constitution. Voilà, il y a autant de manuels. Ici, nous avons, ça c'est notre réception. Et là-bas, nous avons d'autres locaux. Comme vous pouvez le remarquer, c'est quand même des locaux qui répondent aux normes et dans de bonnes conditions. C'est ça, les conditions de travail pour nous, ça compte pour que nous puissions nous assurer de faire le travail qui est le nôtre. Ce sont nos collaborateurs qui sont dans les départements des finances. Hein, là, nous avons l'administrateur des finances, là, nous avons notre trésorier et chargé des approvisionnements. C'est donc un local qui sera équipé également et c'est peut-être même ici l'occasion de lancer encore un message de plaidoyer.
à qui veut l'entendre et qui veut investir dans l'homme, dans les jeunes, de dire que nous avons besoin d'être équipés, les gens de bonne volonté, soucieux du bon fonctionnement de la division de la jeunesse, peuvent nous appuyer pour que nous puissions nous acquitter de notre devoir. Voilà, c'est notre vitrine pour garder les outils de finances dans les bonnes conditions. Ça doit être sécurisé. Nous pouvons peut-être aller voir d'autres locaux ici. Voilà. Ça, c'est un autre bureau. Comme vous le savez, nous sommes en train de déménager. Oui. Nous sommes en train de déménager. Voilà ce qui justifie cette sorte de cacophonie, d'amalgame, de documents non bien classés. Nous venions d'être obligé de quitter dans la précipitation le bureau au stade des Volcans. Voilà. Lui, c'est notre chef de bureau, le premier bureau d'ailleurs, services généraux, le chef de bureau Mboula. Regardez vous-même que nous utilisons encore des histoires archaïques et anciennes. Tout ça, ça mérite d'être modernisé. Vous avez les archives des villes et territoires, par-ci, par-là. Il faille donc que nous puissions avoir des classements informatisé, ouais. Et donc ça demande des outils informatiques. Ça peut nous éviter de faire un cumul de paperasse comme ça. Ouais. Nous pouvons avoir notre base de données de tout ça, et si nous sommes connectés à l'internet, nous pouvons même contrôler ce qui se passe dans les villes et territoires à partir d'ici avec beaucoup de facilité. Et ça, ça fait partie de nos perspectives d'avenir dans les jours prochains. Voilà un peu. Nous allons peut-être aller dehors, oui, pour que vous voyez également. Ça sont des installations aussi. Oui. Alors, comme vous pouvez le remarquer, oui, nous avons ici, une vue au moins un peu plus claire de l'extérieur du bureau. Je voulais que vous voyez déjà aussi la nature, le genre d'outils que nous utilisions. Regardez le meuble. Les meubles par rapport à la mondialisation, à la modernisation, ce ne sont pas là les outils de travail pour une division appelée à encadrer la classe juvénile sur laquelle repose tout l'avenir de l'humanité. Donc voilà pourquoi nous sommes en train d'insister que les personnes de bonne volonté puissent nous appuyer. Parce que là, sincèrement, ça ne va pas. Mais au moins, toute la cour est nôtre. Ce n'est pas pour rien. Eh oui, c'est par rapport à nos ambitions aussi. Hein. Oui. Nous voulons organiser ici, de temps à autre, de recevoir les jeunes, mais aussi organiser, sous peut-être une tente quand on l'aura, des séances de formation, mais qui ne doivent pas trop peser sur le plan finance. Je préfère qu'on loue peut-être une tente et des chaises, tant qu'on n'en a pas encore, propre à nous, mais au moins, c'est moins coûté par rapport à la location salle, puisque les salles ici, c'est devenu un business qui prend beaucoup d'argent. Si on doit organiser une activité de 3 à 4 jours, peut-être une semaine, les coûts que ça nous prendrait en louer une salle est de loin supérieur à ce qu'on pouvait utiliser pour louer les chaises, une tente ici. D'accord, merci. Voilà. Et on va finir peut-être parce qu'on a vraiment dépassé de nos minutes, qui étaient prévues. Oui. Alors, je ne sais pas, pour finir, peut-être en moins d'une minute, est-ce que vous avez un message à transmettre, le dernier message? Non, le dernier message, c'est celui de donner de l'espoir à tout le monde. La division de la jeunesse, c'était la division la plus négligée, abandonnée. Mais aujourd'hui, avec notre avènement,
ça, c'est une des divisions qui va rayonner et qui va compétir avec d'autres au point même de dépasser la plupart des divisions que nous connaissons. Rassurez-vous, c'est ma parole d'honneur parce que j'ai l'accompagnement du président de la République, j'ai l'accompagnement du Premier ministre, j'ai l'accompagnement du ministre de la fonction publique, j'ai l'accompagnement du ministre sectoriel, notre ministre Dr Yves Bunkulu, mon secrétaire général Jean Chrysostome et le gouverneur de province Lima Kongba Constant. Je voudrais demander à toute la jeunesse de faire confiance aux institutions et à leurs animateurs et surtout à être créatifs et entrepreneurs. Moi ici, ce sont des idées, je suis parti des idées et aujourd'hui nous avons des faits. Je voudrais que les jeunes prennent aussi ce goût de risque. Et c'est ce que nous essayons de faire. Malheureusement, avec les Congolais, quand vous prenez beaucoup de courage à faire des choses, on vous soupçonne, même ce que vous n'êtes pas ou ce que vous ne prétendez pas. Mais alors, je dis que je ne peux pas vivre aux dépens des autres. Je ne peux pas suivre les ondits. J'appelle les autres leaders des jeunes de faire comme moi, d'entreprendre et surtout d'être créatif en mettant l'intérêt général avant l'intérêt personnel. Merci beaucoup, Desigui, de nous avoir accueillis et récits sous chez vous, en tout cas la division provinciale de la jeunesse. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cet entretien. Une interview exclusive et pas comme d'autres, en tout cas, on s'est déplacé pour venir vous montrer comment certaines personnes, en tout cas, ne cessent de respecter et accompagner la vision du chef de l'État. Et voilà un exemple ici, en tout cas, en direct de Goma. Mesdames et messieurs, on se retrouve à la prochaine fois pour un nouveau numéro. Bye bye. Bye, merci beaucoup.